Quel va être le, le problème des, des années qui viennent Le problème des années qui viennent, vous le savez tous, c'est le réchauffement climatique. Et puis, ce n'est pas tellement le réchauffement climatique et le changement du climat, parce que ça, ça change tout le temps pour les paysans. C'est la gestion des écarts dans ce changement climatique qui va être problématique. Et donc, on se rend compte que qu'un des critères clés de la production agricole, ça va être l'eau. Donc j'écoutais la, la radio ce matin et euh, globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que les prévisions pour la France, c'est dans les années qui viennent, jusqu'en 2050 au moins et après probablement aussi, c'est moins 40% d'eau dans la phase d'été. Donc autant vous dire que la sécheresse de cette année, elle pourrait être récurrente et se reproduire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors la France va être en difficulté pour quel motif Parce que depuis 30 ans, on a un débat complètement pourri sur l'eau. Autant vous dire que tout ce qui sort de l'écologie politique, c'est à jeter aux ordures rapidement. La gestion de l'eau est complètement délaissée et absolument pas abordée. Il faudra faire des réserves partout. Il faudra avoir un gros plan d'irrigation avec les agriculteurs. Et il faudra stocker l'eau excédentaire de l'hiver pour l'été. Et si ça ne s'est pas fait rapidement dans un grand projet écologique, eh bien, euh, les situations qu'on a connues cette année, mais déjà l'année dernière, et déjà l'année d'avant, et ça pourrait s'empirer, eh vont se reproduire. Alors la question c'est où est l'eau Et euh, je vais vous présenter le travail que j'ai mené avec Alain Canet notamment, dans un projet qui s'appelle Agro, euh, qui était mené avec l'agence de l'eau à Dourgaronne, pour commencer à positionner un changement de pratique agricole, la gestion de l'eau par la matière organique, le carbone et l'humus. Et c'est pour ça que, plus que jamais à partir d'aujourd'hui, il va falloir s'occuper de nos bilans humiques et il va falloir les avoir positifs tous les ans, sans exception, dans nos fermes. Donc, ça, c'est un vrai défi parce qu'il n'y a pas un sol agricole français qui est capable de stocker du carbone hormis quelques systèmes de production innovants qui sont mis en place par les agriculteurs. Alors moi je suis agronome, je vais dire je suis agronome des sols vivants, et, euh, et donc je suis là en tant que constructeur de projets avec les agriculteurs pour trouver des solutions aux problèmes qui arrivent. Alors la thématique de agro, c'est agriculture et eau. Et donc, on s'adresse à cette zone-là, le, le bassin Adour-Garonne, ici. Alors, comment ça marche Comme ça, voilà. Ça, c'est le bassin Adour-Garonne. C'est 25 départements dans le sud-ouest de la France. En gros, ça va de Toulouse à Bayonne à Niort. Voilà, c'est tout ce grand triangle-là. Et là-dedans, vous avez à peu près 3,3 millions d'hectares SAU. Euh, non, euh, non, pardon. Vous avez à peu près 7 millions d'hectares SAU et la moitié, ou 3,3 millions, c'est de la terre travaillée, arable. Le reste, c'est des prairies euh, et le reste, c'est de la forêt. Et donc, la thématique qu'on y mène, c'est les trois F c'est fixer, freiner, filtrer. Parce que là, cette agence de l'eau-là a un gros problème. Problème numéro un de ce système-là, c'est l'érosion des sols. Alors j'avais produit cette idée là, vous ne faites pas d'illusion, un sol nu, c'est un sol foutu, irrémédiablement foutu. Et plus vous aurez des sols nus, plus vous serez dépendant des intrants, de l'irrigation, de la sécheresse, du gel, etc. Et donc, ça, ce sont les images qu'on ne voudrait plus jamais voir, parce que c'est une perte irrémédiable de l'eau, d'accord? C'est-à-dire que non seulement vous manquez d'eau en plein été, mais vous la perdez en plein hiver. Et quand vous la perdez en plein hiver, vous créez des dégâts que l'on appelle de la pollution. Donc là, il est à peu près sûr que si je regarde dans l'eau ici, voilà, si je regarde ça, je vais y trouver des matières en suspension, je vais y trouver des pesticides, je vais y trouver des nitrates, et on dit que l'agriculture avec des pesticides pollue. Non, l'agriculture qui fait ça pollue, qu'elle soit bio ou pas, on aura le même résultat ici. Et donc, le débat qu'on a mené avec François Mullet et tous les autres, il est relativement simple. Il va falloir couvrir les sols pour gérer l'agriculture de meilleure façon et surtout la pollution et l'eau. Alors ça, c'est un bassin versant, c'est l'arrosse, c'est 5000 hectares, voilà ce qui se passe quand il pleut. Et en fait, la rivière s'est transformée en torrent. On fait les flux d'eau. Et ici, vous avez à l'exutoire, c'est villes comtale Vous avez une hauteur d'eau. Voilà. Et on mesure les hauteurs d'eau dans la rivière. Et en fait, ici, vous êtes le 22 janvier 2013 à 7h37. Voilà, donc on peut mesurer ça au fur et à mesure. Et puis à 7h38. Une minute après, vous voyez que le niveau d'eau a déjà baissé et en fait les vagues également. C'est-à-dire que l'eau arrive en flux comme des vagues. À un moment donné, elle s'accumule, elle part et puis vous en avez de moins en moins. Donc ça veut dire que actuellement, sous régime hydrique tel qu'on le connaît par exemple cette année, eh bien, en plein hiver, les rivières elles, se remplissent d'eau. Vous faites un oued, un torrent de boue qui entraîne tout sur son passage. Donc, euh, en fait, vous, vous avez des sols nus partout, 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 qui sont incapables de retenir l'eau, qui se retrouvent dans l'exutoire, et à un moment donné, ça va déborder et ça va s'étaler. Donc, les dégâts sont colossaux, on abîme toutes les digues, on creuse le lit des rivières, on abîme les parcelles. Donc, il faut savoir que ces travaux ont été faits autour de la Révolution française, globalement. Ils seront tous à refaire. Donc, je vous garantis, le chantier d'infrastructure dans une France désargentée, sans le sou, je ne sais pas qui va payer un jour. Hein voyez Et donc, ce débat-là, voilà ce qu'il va faire. Il va aussi bah, créer la dégradation des sols. Et la dégradation des sols, vous l'avez comme ça. C'est-à-dire, ça, c'est du travail qui a été fait au Canada, principalement ici. Et donc, le Cana les Canadiens nous disent que la bordure, elle ne va gérer que 20% du flux d'eau. Donc globalement, ça ne sert quasiment à rien d'installer une bande enherbée puisque vous aurez un impact à peine sur 20% du flux qui sort de la parcelle et que le reste de l'eau qui sort d'un champ, eh bien ça vient 80% de la parcelle elle-même. C'est-à-dire qu'une bordure, même si elle est enherbée, elle sera incapable de gérer mieux que 20%. Donc s'il y a de la pollution qui part, c'est-à-dire des phytos dans l'eau, eh bien, votre bande enherbée, elle servira quasi à rien. Et donc, avec des flux d'eau qui s'accélèrent, avec de la pluie qui tombe, on va dire, saison humide, saison sèche, à un moment donné, il n'y a plus la possibilité de contrôler l'eau avec un dispositif bande enherbée ou même une haie. Vous oubliez, ça ne suffira plus. C'est-à-dire que l'enjeu va être de revenir dans la parcelle agricole 80% de l'eau qui sort d'une parcelle, elle vient de la parcelle. Donc il va falloir infiltrer l'eau là où elle tombe. Alors ce bassin versant, ce n'est pas très compliqué, il fait 5000 hectares. Et quand on infiltre un millimètre, ça représente 10 mètres cubes à l'hectare, ça représente 50 000 mètres cubes d'eau qui ne vont pas créer des problèmes d'inondation ou de pollution quelque part. Et vous, agriculteurs, vous avez la possibilité d'infiltrer entre 20 et 40 mm heure dans un sol. Mais ce sol-là, il doit être bien constitué, il doit être vivant, il doit être en bon état et il doit être couvert en permanence. Donc ça, c'est la grande révélation. On dit toujours que les deux gros systèmes qui protègent l'environnement, c'est la prairie et la forêt. Le problème, c'est que je ne mange pas d'herbe et je ne mange pas le bois. Et donc il va falloir faire de l'agriculture en copiant un système prairie-forêt. C'est-à-dire que mon maïs doit être cultivé comme de l'herbe. Mon blé également, mes carottes aussi, mes patates aussi. Donc là le défi devient colossal parce que aucun agriculteur ne sait faire ça. Ça ne fait pas partie de la culture agronomique, ça ne fait pas partie de l'éducation, ça ne fait pas partie de l'instruction, ça ne fait pas partie de la recherche. Et donc, euh, les innovants, les agriculteurs qui ont commencé à changer, eh bien, ils nous ont montré des choses extraordinaires sur ces principes-là. Donc voilà l'agence de l'eau, voilà son territoire. Et finalement, tout ce qui est rouge, là, c'est de l'érosion accélérée des sols, tout simplement. Donc, euh, il va falloir freiner l'eau, il va falloir filtrer l'eau, parce que ça sont les points de pollution ici. <coughs> Et il va falloir la filtrer pour les nitrates, la chimie, les nitrates, etc. Donc en fait, ce territoire-là de l'agence de l'eau à Dourgaronne, il a un gros, gros, gros problème. Problème numéro un, érosion des sols. Et on commence à comprendre avec ce que nous a dit Sébastien tout à l'heure, que le seul moyen de supprimer l'érosion du sol, c'est rapide, efficace et immédiat, c'est une couverture permanente des sols. C'est-à-dire en une année, j'ai supprimé le problème. Agence de loi d'Ourgaronne, ça fait 40 ans ou 50 ans que ça dure. On leur a tout soufflé, il ne s'est encore rien fait. Alors, les sols nus, d'où nous vient cette histoire de dégradation des sols Et en fait, la première grande catastrophe économique et agronomique du monde, elle s'est produite aux États-Unis, c'est-à-dire dans la plaine des bisons qu'on a exterminée. <coughs> On l'a mise en culture entre 1900 et 1930. Et en 1930, grande sécheresse et toute la terre s'est envolée dans ce qu'on a appelé un dust bowl. Et regardez la zone que ça concerne, c'est grand comme trois fois la France, ça, là. Ça a duré cinq ans. Et quand il s'est mis à pleuvoir, vous aviez plus qu'un tas de sable collé au sol, donc un tas de boue. Voilà, euh, les outils agricoles enfouis. Et ça s'est reproduit systématiquement, régulièrement, jusque dans les années 50, où le premier semi-direct est né. C'est-à-dire que ce qui s'est passé à l'époque, c'est la plus grande invention agronomique du monde à même de sauver l'humanité actuellement dans sa phase de réchauffement climatique. Et donc il y a eu quelque chose de très particulier qui s'est fait, c'est-à-dire on a commencé à couvrir les sols plutôt que de les travailler. Et pour faire ça, on a utilisé quelque chose de très particulier, le désherbant chimique. C'est-à-dire que la grande innovation, ça a été d'utiliser un désherbant chimique sur un sol non travaillé. Et quand vous faites ça, vous êtes capable de tuer une plante et de semer une autre directement dedans, qui prend le relais. C'est-à-dire que vous installez une couverture permanente des sols. Et donc tout le défi qui arrive, eh bien, il est de maîtriser cette technique-là de mieux en mieux. Donc ce que permet aujourd'hui par exemple le glyphosate. Donc le glyphosate, c'est le premier outil de protection de l'environnement à la disposition d'un agriculteur s'il l'utilise correctement. Et tout l'enjeu pour les 30 prochaines années, va consister à faire cette agriculture-là avec le moins possible de pesticides, c'est-à-dire de commencer à maîtriser les plantes de mieux en mieux pour finalement désherber biologiquement. Mais pas du désherbage biologique avec du sol nu et du travail du sol, du désherbage biologique avec des plantes. Alors ça, c'est un changement complet de paradigme pour nous, agriculteurs. Zéro RD, zéro programme de développement en France. Et on sait que c'est la seule issue positive pour se sortir de notre problème environnemental et de notre problème de production. Et on verra que ça a une influence énorme sur la gestion de l'eau. Alors, je présente ça souvent. Vous avez à l'œuvre une spirale de dégradation de l'environnement. Dès que vous faites sauter l'écosystème avec une machine, vous perdez la biodiversité. Et la biodiversité, ne vous y trompez pas, c'est le premier outil de production de l'agriculture et c'est un outil gratuit. Alors, quand je l'ai détruit, il va falloir le reconstruire. Et ça, ça peut coûter un petit peu plus cher. Mais globalement. Tout pousse tout seul dans la forêt. J'arrive avec un outil, mais ce n'est pas qu'un outil, c'est tronçonneuse, bulldozer, rupeur, labour, onivelle, herse rotatif, semoir, que des outils qui bousillent la biodiversité. Et à un moment donné, j'ai perdu la biodiversité et ma spirale de dégradation environnementale, elle se met à l'œuvre pour finir dans le désert. Et ça, vous l'avez partout, partout, partout dans le monde. Je détruis ma prairie, j'ai perdu les vers de terre. Moins 80% au premier travail du sol, paf, je perds la fertilité biologique naturelle du système. Voilà. Et ça ne pousse plus tout seul. Donc je suis obligé d'importer de l'exogène, c'est-à-dire des fertilisants, de l'engrais, du fumier, du compost, en fait, tout ce qu'on connaît. Alors on a continué à perdre la fertilité et on sait que quand on laboure une prairie qui fait 4% de matière organique aux États-Unis, eh bien, 20 ans après, on a divisé par deux le contenu en matière organique de ce sol. C'est-à-dire, irrémédiablement, vous perdez l'humus en travaillant les sols. C'est validé dans le monde entier, ce n'est pas un sujet en France. Et donc, le gros défi des paysans, c'est que quand vous êtes dans le trou ici, ça va être de revenir là. Et on nous dit que ce n'est pas possible. Alors vous oubliez ça, c'est très facile à faire, à condition d'avoir un bilan humique positif. Parce que le bilan humique positif, il va vous mesurer un stockage d'humus de mieux en mieux, de plus en plus. Et en fait, comme vous avez mis 20 ans à tout bousiller, eh bien il faudra une génération à tout reconstruire. Et la génération qui est là, la nôtre, elle aura besoin de l'eau d'irrigation. Donc des bassines, des machins et d'un schéma directeur de gestion de l'eau. Si on n'avait pas détruit, peut-être que si on était là, ce ne serait pas le même sujet. Et du coup, quand vous avez perdu le carbone et l'humus du sol, ben vous allez dans un sol qui va se compacter. En fait, vous faites de la terre fine avec vos outils qui vient s'infiltrer dans les fissures, compacter les sols, et quand vous compactez les sols, eh bien vous perdez l'eau. C'est-à-dire l'eau ne s'infiltre plus, il pleut, ça coule, vous faites de l'érosion et là vous perdez l'eau et le sol. Donc vous perdez d'abord la biodiversité, puis l'humus, puis l'eau, puis le sol. Alors comme il n'y a plus de sol, etc., ben, on a perdu l'eau aussi et puis on se dit, tiens, je vais pomper dans la nappe pour irriguer. Et là j'ai Paris qui m'arrête, oh là là, j'ai pas assez d'eau pour les Parisiens, pour les citadins à Lyon. Interdit d'irriguer en pompant dans les nappes, ça y est, c'est le cas. Ce débat-là, il arrive partout, partout, partout. Mais à aucun moment, on propose une solution alternative, c'est-à-dire de remplir des réserves quand on a trop d'eau en hiver. Et donc, quand vous ne pouvez plus pomper dans les nappes, eh bien, ça ne pousse plus et vous avez le désert. Alors, le problème, c'est où est-ce que j'en suis dans mon système agricole Voilà. Mais de toute façon, si vous êtes là ou là ou là ou là ou là, vous ne pouvez pas récupérer votre système de production tant que vous avez le travail du sol qui sème la zizanie dans votre système agricole. Et donc, pour passer de là à là, parce qu'il va falloir copier le modèle naturel, il va falloir supprimer le travail du sol. Mais je vous garantis qu'on n'y est pas. Alors on s'est posé la question, qu'est-ce que c'était que le sol réellement Et le sol, vous devez le voir comme une espèce de super éponge microporeuse où l'humus c'est la voie principale pour tenir de l'eau. Ici, vous avez la matière organique de 0 à 7 voilà. et on voit que selon que le sol est sableux, argileux, argileux ou limoneux, eh bien vous avez plus ou moins d'eau dans le sol. Selon le taux de matière organique à 1%, pas beaucoup d'eau. Par contre, à 2%, vous en avez un petit peu plus et à 4% encore plus. En gros, vous avez une relation intéressante. Plus le taux de matière organique des sols monte, plus la réserve utile du sol monte. Et plus vous avez de limon, meilleure est la capacité de rétention de vos sols pour l'eau. Donc ça, c'est intéressant. Et donc, euh, les Américains travaillent sur un modèle ici qui est là hein, et qui nous donne euh, quelque chose de très particulier à 4%, 5% de matière organique. Hein, eh bien, à peu près euh, votre sol, il retient 80 kg d'eau et à 2%, il en, contient, il en retient que 20. C'est à dire que, en gros, dans cette relation là qu'il calcule au labo, vous doublez la matière organique, vous multipliez par quatre la quantité d'eau que le sol va contenir. Donc ça, c'est intéressant pour les agriculteurs et on va voir en cas pratique comment ça fonctionne. Donc vous avez quelque chose de très particulier. Voilà à quoi doit ressembler votre sol agricole. C'est-à-dire je dois pouvoir prendre une motte dans la main. Voilà, C'est une véritable éponge, elle est enrobée de champignons. Ces champignons-là, ce sont les précurseurs de l'humus stable, hein, c'est-à-dire ceux qui vont faire la réserve utile et augmenter la CEC en passant. Et donc, quand vous aurez un sol agricole qui ressemble à ça, c'est-à-dire que vous pouvez prendre une motte et voir les champignons, eh bien, vous êtes à peu près au bout de votre démarche agronomique en agriculture. Autant vous dire que dans un sol travaillé, jamais, jamais, <coughs> jamais vous avez la capacité de voir ça. Alors ce sol, maintenant il faut essayer de le comprendre, cette motte de terre là, qu'est-ce qu qu'il y a là-dedans Eh bien en fait, dans ce volume de sol, la moitié du volume ici, c'est le contenu, le, le plein, je dirais. Donc c'est le minéral constitutif à partir de la roche-mère, les limons. Les argiles, les sables, les graviers, ou tout à la fois mélangé dans, divers, dans différentes proportions. Et pour les agronomes qui travaillent là-dessus depuis ben maintenant, allez, 50 ans bientôt, un sol idéal contiendrait 5 de matière organique. Bon, faites-vous revenez à l'analyse chez vous et regardez ça. Il n'y a peut-être que dans les prairies où on a ça, hein. mais dès qu'on cultive, on l'a plus. Donc la moitié de la, du volume de mamotte ici c'est le plein, c'est le matériau constitutif avec la, la matière organique qui est la colle qui stabilise et maintient l'agrégat en bon état. Et cet agrégat, la deuxième partie du volume, en fait c'est du vide ici. 50% du volume c'est du vide. La moitié du vide c'est pour l'air, c'est-à-dire dans le sol il y a de l'air parce que dans le sol, il y a énormément de biologie, de biodiversité, d'êtres vivants qui doivent respirer. Voilà. Donc on y met de l'air, macroporosité, et ensuite vous avez de l'eau, donc dans un quart du volume de la motte ici, vous avez de l'eau, alors intimement liée dans la totalité de cette éponge, mais ça fait à peu près la moitié du vide à nouveau, et donc là vous avez de l'eau RFU. La moitié de l'eau, c'est de l'eau qui se déplace facilement vers les plantes par la force de succion, c'est-à-dire de l'eau mobile, c'est la réserve facilement utilisable. Et l'autre partie de l'eau, ici, celle-là, c'est la moitié de la réserve utile totale ou du stockage total de l'eau, c'est une réserve difficilement utilisable, en fait, qui ne se déplace pas, que la plante doit aller chercher. Mais la plante, elle ne peut pas aller chercher cette eau avec une racine. Elle ne peut chercher cette eau qu'avec un champignon qui s'appelle une mycorhize, qui est capable d'aller dans les espaces de pores très très fines et d'aller finalement aider la plante quand cette eau-là est épuisée. La plante a encore sept réserves utiles disponibles. Et donc là, il y a un phénomène très particulier de symbiose qui va se produire, hein, qui fait que la plante, elle va prendre de l'eau avec ses mycorhizes, mais elle va être obligée de nourrir avec de la sève élaborée, donc du carbone liquide, comme on a parlé tout à l'heure, tous les êtres vivants du sol. Donc en fait, ça maintient la plante, euh, on va dire, euh, en forme, hein, mais elle est obligée de partager cette eau. Alors, voilà ce qu'on sait de cette eau, c'est-à-dire que globalement, eh bien, si vous voulez avoir accès à 50% de la, de la réserve de l'eau du sol, il faut avoir des mycorhizes. Et voilà à quoi ça ressemble c'est des tout petits filaments ici qui sont autour des racines et qui rentrent dans la microporosité du sol. Donc, ça, c'est très intéressant pour les agriculteurs, puisqu'on commence à découvrir que si vous avez des plantes avec des racines. Mycorhizé, globalement, vous augmentez votre réserve utile. Vous augmentez la résistance des plantes à la sécheresse. Vous êtes capable de résister à une canicule, par exemple. Alors, c'est très très net pour des plantes pérennes, par exemple les arbres fruitiers ou la vigne. En pleine canicule, on peut voir la vigne qui se fane complètement et vous revenez deux jours après, elle est verte comme s'il avait plu. Mais ça ça ne se passe que dans des sols en bon état. D'accord Où vous fabriquez de l'humus et où la biologie est active, où les mycorhizes fonctionnent. Et donc euh, le stockage de l'eau, ben oui, ça se fera dans les sols. Et du coup, on a commencé dans ce programme agro à faire des bilans humiques et à comparer en fait, des sols nus ici, avec des sols couverts sur les nouvelles pratiques de semi-direct des paysans. Et ce qu'on a trouvé, c'est relativement simple. Nos pratiques agricoles conventionnelles, elles perdent en moyenne 300 kg de carbone par hectare et par an. Si vous voulez avoir l'équivalent en matière organique, vous multipliez par deux. Voilà. Donc, ça, c'est la perte moyenne du système agricole conventionnel et on s'est rendu compte que ce système agricole conventionnel il va garder les sols 150 jours par an nus sur une problématique de culture principale par exemple je fais du maïs grain point c'est-à-dire le maïs il va occuper le sol six mois de l'année et six mois de l'année rien et comme le conseil, c'est travailler le sol, déchaumer à l'automne, surtout pour combattre par exemple la vermine, les pyrales, etc., eh bien, on aggrave le système sol nu par un conseil agronomique obsolète. Alors que le bon conseil, ce serait de récolter plutôt le maïs et de semer un couvert végétal, par exemple un métail. Pourquoi un métail Parce que ce sont des légumineuses. Ici, vous avez une févrole justement qui couvre le sol pendant une interculture de maïs. Et cette févrole, légumineuse, autonome en azote et plante mycorisée. Et donc vous introduisez une une mycorhize avec une plante pionnière qui est une légumineuse pendant l'hiver, et le maïs lui-même est très mycorhizé, il continue à développer les mycorhizes que vous avez mis en place dans le sol. Et si vous faites ça tous les ans, Maïs couvert, maïs métaille, maïs métaille, maïs métaille, vous gardez et vous améliorez la capacité de votre sol à tenir des mycorhizes vivantes, par exemple. Donc, on a commencé à regarder tout ça. Et donc, les agriculteurs qui ne travaillent plus le sol, qui ont des bilans humiques positifs, ils mettent 600 kg de carbone par hectare et par an dans le sol. Vous multipliez par deux pour avoir la matière organique. C'est une moyenne des pratiques. Hein c'est 11 fermes, les meilleures d'un pool de 150 qui a été enquêté. Et on se rend compte que ces fermes-là, elles ont des capacités environnementales extraordinairement développées. Et puis, on a ramené ce résultat-là sur les 3,3 millions d'hectares de terres arables et travaillées de l'Agence de l'eau à Dourgaronne. Et on va faire, avec l'agriculture conventionnelle qui perd 300 kg de carbone par hectare et par an, ça veut dire que sur la totalité du bassin versant où je travaille le sol, eh bien je perds 1 million de tonnes de carbone qui va alimenter l'effet de serre. C'est 3,7 fois plus de CO2, ce truc-là. Donc les agriculteurs qui travaillent le sol, ce sont des producteurs de gaz à effet de serre importants. Alors que les autres, qui stockent dans l'humus 600 kg de carbone par hectare et par an, ils vont séquestrer 2 millions de tonnes de carbone à l'échelle des 3 millions d'hectares du bassin versant. Donc, ceux-là, ce sont des, des dépollueurs. Et ils sont capables de lutter contre l'effet de serre, c'est-à-dire que tous les ans, on pourrait soustraire 2 millions de tonnes de carbone. Eh bien, du carbone que l'industrie et la société et la ville envoient. Et donc on commence à comprendre que l'agriculteur, avec les bonnes pratiques agricoles, simplement, il est capable de dépolluer l'atmosphère, par exemple. Mais il sera capable de dépolluer l'eau, puisque le sol va se comporter comme un rétenteur d'eau et comme un filtre. Alors qu'est-ce que ça donne eh bien, J'ai 1% ou 1,5% de matière organique, j'ai 4000 tonnes de terre à l'hectare. Si on applique le modèle des Américains, là, de Walter et eh ben qu'est-ce qu'on a eh bien, On va avoir 1230 mètres cubes d'eau par hectare stockés dans ce sol-là. Voilà. Et donc, à un moment donné, je vous ai mis l'équation des, des Américains, et donc on a ce résultat qui arrive. Maintenant, je séquestre du carbone, je passe à 4% parce que tous les ans, je fais mon travail correctement. Et on se rend compte que si on applique l'équation des Américains, en fait, on va avoir 2560 mètres cubes d'eau disponible pour un travail agricole. C'est-à-dire que globalement, vous avez doublé l'eau accessible rapidement aux plantes. Et moi, je vais pleurer. À partir de maintenant, je vais pleurer tous les ans, tous les ans, tous les ans jusqu'à ma mort que à cause du réchauffement climatique, j'ai plus d'eau. Non, c'est pas ça. C'est à cause des mauvaises pratiques agricoles, je n'ai plus d'eau. C'est pas du tout pareil. Et je dirais que c'est même pire à cause des mauvaises pratiques agricoles développées par la ville et imposées aux agriculteurs. Je n'ai plus d'eau. Alors bio ou pas, c'est le même débat. Hein vous y trompez pas deux minutes. Alors on a repris ici, ben je vous l'ai mis en grand format, cette espèce de relation entre la matière organique et le stockage de l'eau selon les types de sol. On va passer. Et en fait, vous pouvez appliquer ce modèle-là, c'est-à-dire si je suis à 1% et que je monte en matière organique, eh bien la quantité d'eau que j'ai besoin pour irriguer à l'hectare baisse proportionnellement. À l'augmentation du taux de matière organique des sols. Alors le problème, c'est que je ne suis pas ici, je suis là. Toute la Picardie, 1% de matière organique. La zone la plus intensive de France, la sécheresse arrive cette année, hop, tout est rincé. Les betteraves ne marchent pas bien, le blé, moins de 30%. Vous savez ce qui est arrivé au colza un petit peu plus haut, plus de colza, etc. etc. Et en fait, personne ne s'est méfié, mais aujourd'hui, le grand débat, c'est la matière organique, et on a envoyé, avec des pratiques agricoles obsolètes, toute l'agriculture, on l'a envoyée là. Et on se rend compte, quand on travaille avec les agriculteurs, que les seuls qui ont encore des sols en bon état, ce sont les éleveurs parce qu'ils avaient des prairies, parce qu'ils avaient des fumiers, parce que l'idée d'un éleveur, c'est le fourrage, donc on couvre le sol, on ne le laisse pas nu, dérobé, fourragère, etc. Et en fait, on se rend compte que les éleveurs, ils seraient plutôt par ici. Et donc, eux, ils ont une chance inouïe, c'est-à-dire ils partent avec un capital sol en bon état, qu'il s'agit de ne pas dégrader, justement. Malheureusement, plus personne ne veut manger de la viande et boire du lait. C'est la mode. Hein Alors que ces gars-là, ils ont fait le bon boulot. Et on les a pénalisés tout le temps. Des quotas laitiers, puis ensuite, pas de prime à l'herbe, puis ensuite, on a enlevé les inches, etc., etc., etc. Et en fait, aujourd'hui, l'élevage est pénalisé, voire détruit par la politique agricole. Et on garde sur la place publique. Toutes les techniques obsolètes de gestion des sols. Faites du bio, travaillez, binez, désherbez. D'accord Non, non, faites du bio sans travailler le sol. Ça, oui. Hein Je vous garantis que ça va être compliqué, là, de sortir du trou dans lequel nous a mis la politique agricole et une grande partie de notre recherche agronomique. Alors, la recherche agronomique travaille. Et donc là, dans l'expertise sur le carbone qui a été faite en 2002 par l'INRA, eh l'INRA va faire des hypothèses. Je ne travaille plus le sol à 10%, à 20%, à 50% ou à 70% des fermes. Je fais du semi-direct sous couvert végétal, plus ou moins partout. Et qu'est-ce qu'on montre eh bien, Quand on fait 10% de semi-direct en agriculture, eh bien, on ne stocke pas beaucoup de carbone. Voilà, ça c'est le carbone stocké, 10 tonnes par hectare. Et donc, alors on peut ramener en millions de tonnes, mais ça ne fait pas grand chose à l'échelle de la France. 20% un petit peu mieux, 50%, 70%. Et on voit que si l'agriculture massivement se reconvertit à des techniques sans travail du sol, vous avez des capacités de séquestration en millions de tonnes de quasi 100 millions de tonnes de carbone sur la ferme France. Multipliez ça par 3,7, 3, vous avez le CO2, et donc vous avez un vrai outil d'atténuation du climat. Ça a donné lieu, euh, grâce à un ministre génial, Stéphane Le Foll, à la thématique du 4 pour mille, ce truc-là. Si les paysans stockent du carbone tous les ans en mesurant avec un bilan humique positif, etc., eh bien, on pourrait séquestrer 4 pour mille de matière organique tous les ans dans les sols, eh bien on arriverait à remplir les sols du mus et à lutter contre l'effet de serre avec un levier important sur la France. Ce travail-là, il supprime toutes les pollutions GES de l'agriculture française quand on le calcule. Donc le secret est dans le sol. Sauf que ça ça a été expertisé, déterminé, ce n'est pas un sujet 20 ans après. Devinez le sujet le sujet, c'est travailler le sol, passer au bio. ça ce sera, on va supprimer le glyphosate parce que ça nous emmerde. et puis, du coup, on va avoir une taxe carbone à la place d'une prime carbone parce qu'il va falloir remplir les caisses de l'état qui sont vides. alors, on peut faire des modèles. Et on se rend compte que ça s'est fait sur la région de Toulouse, toujours dans le cadre du programme agro. On a présenté ça à l'Agence de l'eau. En gros, je suis à 2% de matière organique euh, et puis je laboure et c'est ma RFU. Et donc ma réserve utile d'un sol limoneux à Toulouse, c'est 1150 m3 d'eau à l'hectare. Et il m'en faut 4400 pour faire ma culture de maïs à 150 quintaux. Donc 4400, c'est les besoins, là, c'est ça. Et donc le premier travail que doit faire l'agriculteur, c'est arrêter de travailler le sol, mais c'est surtout travailler la génétique. Et je peux rester en labour dans la première phase, c'est peut-être pas très grave, si j'ai de l'eau d'irrigation, mais je peux baisser de quasi 30% l'eau d'irrigation en actionnant le levier génétique. Il y a des plantes, notamment dans le génome du maïs, qui utilisent moins d'eau les unes que les autres. La question c'est, est-ce que vous avez l'information de ces plantes efficientes à l'eau dans le catalogue du maïs Parce que le maïs est déjà performant à lui tout seul, mais dans la génétique du maïs, vous avez des plantes plus performantes que d'autres. Information aux paysans, zéro. Et donc on a... On a actionné ce levier génétique. Et puis, quand vous avez un changement de pratique et que vous commencez à avoir des bilans humiques positifs, vous êtes capa capable, en 15 ans, de doubler votre taux de matière organique. Surtout si les rations du sol montent à 25 tonnes par hectare et par an. Mais avec un maïs grain, plus un couvert au sol, plus les systèmes racinaires, vous avez plus de 25 tonnes. Et donc. Ce système là, il vous permet de doubler la réserve utile du sol et vous avez toujours des besoins à 3100 mètres cubes et vous en fournissez 2300. Et si jamais vous actionnez un système biologique à des mycorhizes qui fait appel à la réserve utile difficilement utilisable, vous n'avez plus besoin d'eau puisque vous avez largement le compte pour faire votre production. Donc, voilà la politique qu'on pourrait embrayer avec de la monoculture de maïs grain. L'irrigation deviendrait anecdotique, ça permettrait de passer quelques zones ou quelques complications climatiques à l'instant T. Par exemple, c'est trop sec au semi, je démarre la plante. Mais on se rend compte que si on a bien travaillé, eh bien on pourrait stocker énormément d'eau dans les sols vivants. Mais il faut qu'il y ait de la matière organique qui revienne, bilan humique positif obligatoire. Alors voilà ce que vous a expliqué Sébastien. Pourquoi on scalpe le sol Eh bien, on scalpe le sol pour identifier des pratiques où on n'aurait plus besoin de la chimie pour désherber. Sauf que, attention quand même, tout travail du sol générera de l'érosion. Alors l'érosion, elle est sur 30 cm si vous travaillez 30 cm, mais si vous travaillez deux, vous aurez de l'érosion sur deux. Donc on n'a pas gagné la bataille. Donc les agriculteurs construisent, il va falloir les accompagner. Et voilà ce qui se passe dans l'eau, euh, avec l'eau dans le sol. Voilà un petit peu comment ça va fonctionner. L'eau s'infiltre en hiver le long des systèmes racinaires et des trous de verre de terre et va venir se stocker euh, dans la micro-porosité du sol, dans ce système-là. Et ensuite, quand la plante a besoin, en fait, vous avez des remontées par capillarité et quand ça arrive en surface, ça peut s'évaporer un sol nu évapore de l'eau alors que si vous faites un mulch végétal une litière vous empêchez l'évaporation de l'eau ce qui fait que l'eau va rester disponible pour le nouveau système racinaire et quand vous avez exporté le végétal par exemple j'ai ensilé mon métail pour les vaches plus de couverture végétale possible vous devez casser la capillarité de surface c'est-à-dire scalper le sol Maxi profondeur lit de semence, pour qu'il y ait deux systèmes différents, c'est-à-dire la continuité biologique du système, et au-dessus, dans le lit de semence, vous avez de la terre fine qui va sécher, mais la racine, elle est posée là et elle va pénétrer un système riche en eau. Et donc, soit vous avez une litière, si vous l'avez exportée, la plante, vous êtes obligé de faire ce petit travail superficiel pour garder l'eau du sol. Et on a vu les photos, c'est extraordinairement performant. Donc ça c'est les deux grandes pratiques à disposition des agriculteurs, c'est-à-dire on doit couper la capillarité de surface, c'est-à-dire c'est maxi 1 2 3 4 cm la profondeur d'un lit de semence ou alors si je ne fais pas de travail du sol, je dois avoir une litière sur le sol. Alors, finalement, voilà ce qu'on fait avec notre bassin versant. Eh bien, on a commencé à faire ce genre de pratique. Je sème du maïs dans le couvert végétal. Voilà. Et on a commencé à faire ça avec des semoirs conventionnels trafiqués. Et puis, pour l'année prochaine, il va y avoir un gros coup de fusil chez les constructeurs de semoirs de maïs. Parce que, on s'est rendu compte cette année. Que des agriculteurs en semi-direct avaient compacté leur sillon de semis grâce à un mauvais semoir. C'est-à-dire que les constructions ou les constructeurs ne savent pas produire des outils utiles aux paysans. Donc là, ils vont prendre un gros coup de fusil, on va vous débrouiller tout le problème du semoir de maïs l'année prochaine et on se rend compte qu'on va fixer le sol, on va fixer du carbone, on va fixer les plantes, on va fixer la biodiversité, on va freiner l'eau, le vent et le soleil et on va filtrer l'eau et l'air et ça c'est possible dans ce genre de configuration et quand on a travaillé dans le programme agro à mesurer les résultats des pratiques agricoles sur les sols couverts on supprime quasi une tonne hectare an d'érosion voilà et donc pour la terre arable du bassin Adour-Garonne, ça représente quasi 3 millions de tonnes de terre qui, toutes, sans exception, finissent dans l'eau. Le carbone, quand on stocke 0,6 tonnes de carbone par hectare et par an, c'est 2 millions de tonnes de carbone séquestrées dans la matière organique, soustraites à l'atmosphère, des pollutions. L'atmosphère. Donc là, vous avez la couverture du sol, des pollutions de l'eau, des pollutions de l'atmosphère, les plantes. On se rend compte qu'on a gagné une tonne en rendement. C'est-à-dire, quand on fait la moyenne des bonnes pratiques maîtrisées chez les agriculteurs, on a augmenté en maïs, on a augmenté en soja, on a augmenté en blé. Il y a que le tournesol qui n'est pas validé encore. Et donc, on se rend compte que vous avez en moyenne plus une tonne sur les cultures principales. Ça, c'est la récolte, et ça veut dire que dans le bassin Adour-Garonne, on peut produire plus 3 millions de tonnes de grains. Les gars ont peur de crever de faim. Non, du grain, il y en a à gogo si on travaille bien. Et qu'est-ce qu'on va faire du grain en trop Parce que le problème, c'est trop de grains. Eh bien, trop de grains, c'est de l'énergie, c'est du biomatériau. Mais là aussi, je vous garantis qu'il va falloir se mettre au travail rapidement. La biodiversité elle a été mesurée dans les sols, les vers de terre, c'est toujours multiplié par 10, c'est-à-dire que un sol couvert et non travaillé, c'est une maison en bon état avec de la nourriture dedans. Et ça, vous avez la biodiversité qui suit tout de suite, c'est immédiat. Je me moque royalement des abeilles qui crèvent. Je me moque royalement des oiseaux qui crèvent. Mon travail, c'est de produire des abeilles, c'est de produire des oiseaux. Et pour produire des abeilles, elles doivent d'abord manger. Les néonicotinoïdes n'ont jamais tué aucune abeille. Toutes nos abeilles meurent de faim et de maladie. Et quand on leur met à manger correctement, que ce soit en agriculture biologique ou industrielle avec de la chimie, il n'y a pas de dégâts sur les ruches. On a mis des ruches partout. Eh bien, les agriculteurs récoltent du miel. Donc, ça, c'est un problème énorme. La biodiversité, c'est absolument pas compris. Donc, on produit de la biodiversité. L'eau, en fait, on voit qu'elle s'infiltre, plus 16%. Donc, on peut multiplier les réserves utiles par deux. Le vent, eh bien, on mettra des arbres et des sols couverts. En fait, ça vous freine le vent divisé par deux et vous bénéficiez d'une eau supplémentaire qu'on ne connaît pas, qui est la rosée et la condensation. Un sol couvert, il condense 3 mm d'eau en pleine sécheresse. 3 mm jour. C'est de l'eau que vous ne voyez pas. Mais le matin, quand vous marchez dans un sol couvert en pleine sécheresse, vous avez les pieds humides. Et donc, la biologie, la biodiversité, le système végétal sait utiliser cette eau. Donc, faites le travail, 30 jours de sec, 3 mm par jour. Hein Il y a de l'eau, en fait. Mais cette eau, on ne la voit pas parce que ce n'est pas de l'eau qui coule au robinet. C'est une eau qui est sous un autre format, qui va être utilisée par la biologie, que vont utiliser les champignons, les bactéries, etc. C'est de l'eau biologique. Mais la biologie sait utiliser de l'eau biologique. Et donc, euh, du coup, on a un problème avec le soleil, c'est-à-dire on a 150 jours de sol nu, et donc ça, ça fait perdre ni plus ni moins que 1,4 million de tonnes équivalent de pétrole. Voilà. Je perds de l'énergie qui est gratuite et que je pourrais transformer, par exemple, ben, ici. Ça, ça fait 1,4 million de TEP. Ensuite, l'eau, ben on se rend compte que, alors ça, ça a été prouvé par l'agronomie, donc là l'INRA travaille, je mets des pesticides dans un trou de verre de terre, 80% de ce pesticide va être biodégradé. Donc la biodiversité, le sol en bon état, la biologie du sol est un filtre qui épure l'eau. Donc mettez moins de pesticides et puis vous aurez euh, une meilleure épuration. Voilà. Et donc c'est le jeu, c'est le jeu. Et puis pour l'air, on se rend compte qu'on ben, va dépolluer l'air en stockant du carbone. Et donc on va enlever euh, ben, 3,4 millions de tonnes de carbone qu'on va soustraire à l'air. Par ici la comment dire la, la séquestration dans le sol, mais par la production supplémentaire qui est une soustraction de CO2 de l'air également. Et donc on se rend compte que l'agriculture a des leviers très 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 importants dans les résultats environnementaux. Alors ça ça a été imagé comme ça voilà ma monoculture de blé deux tonnes de carbone hectare allez hop ça c'est la production de paille et la production alimentaire maintenant je mets deux cultures par an j'ai 5,5 tonnes pour le sol toujours la même production de paille une partie de ma deuxième culture pourrait faire de l'élevage ou de l'énergie et j'ai toujours autant pour les hommes et quand je rajoute des arbres je passe à sept tonnes et demi sur le sol, je stocke du carbone dans les arbres, j'ai toujours la même quantité de paille, j'ai plus d'énergie renouvelable ou de biomatériaux disponibles et j'ai toujours la même alimentation humaine. Et on se rend compte que dans les maquettes sol nu, monoculture, etc., blé, maïs ou autres, eh vous êtes très faible en carbone, à peu près à 7 tonnes tout confondu, hein, 5 plus 2, 7. Alors que ici, si vous faites deux cultures par an pour les arbres, vous arrivez à 16. C'est-à-dire deux fois et demi plus de carbone mis en œuvre dans un système agricole. Donc je vous garantis que si vous voulez remplir le sol, il n'y a pas de souci, vous mettez ça dans le sol et ça va aller très vite. Alors finalement, nous, on a des problèmes. On veut respecter la réglementation agro-environnementale avec les techniques qui bousillent l'environnement. Et donc, on va réglementer. Toutes les techniques qui détruisent, on va réglementer l'utilisation euh, d'engrais, l'utilisation de pesticides, mais on ne réglemente pas le travail du sol qui devrait être supprimé de ce système-là. Et donc, systématiquement, dans un système de sol nu, vous essayez de respecter une directive nitrate, pesticides et biodiversité. Autant vous dire que c'est mission impossible puisque vous mettez en œuvre en permanence toutes les pratiques qui bousillent tout. Donc, l'idée était simple, pour respecter les directives européennes, il suffit de faire exactement l'inverse, de couvrir les sols en permanence et de bien gérer la couverture des sols. Donc, la dernière fois, je travaille et je mets en œuvre un système de culture où je ne travaille plus le sol. Et là, on se rend compte que la directive nitrate sera facile à cadrer. Mais pour faire ça, je dois mettre de l'eau, de l'irrigation et de l'engrais correctement. C'est-à-dire que ce n'est pas avec rien que j'y arriverai quand je suis dans le trou. Donc ça, c'est quelque chose qu'on met en œuvre aujourd'hui. Tous les groupes de développement dont vous faites partie rentrent dans cette spirale d'amélioration environnementale. Et donc, on apprend ces techniques-là. Et donc ça, ça a besoin d'aide. Aide au développement agricole, en fait. Alors on a fait des petites expériences, je passe vite parce que ça se termine. C'est un tout petit bassin versant, toujours dans le bassin à Dourgaronne, qui fait 250 hectares et où on a du blé, du maïs et de la vigne. Et donc on va faire des, des analyses de sol. Là, les étoiles, c'est des analyses de sol. Et on va faire quelque chose de très particulier. Dans toutes ces parcelles de terre arable, on va mesurer une analyse de sol au milieu du champ ou sur la bordure jamais travaillée. Voilà. Et on va faire des analyses de sol. Et donc, on y va. Donc, voilà, le, le stagiaire, c'est en mémoire d'ingénieur. Et puis, il me fait le milieu de la parcelle. Et on mesure la, la quantité d'eau dans l'échantillon. On mesure la densité du sol, la porosité. Et ici, on mesure la quantité d'eau dans la porosité du sol. Le WFPS. Et donc, on se rend compte que le sol travaillé, ben il va avoir une certaine quantité d'eau. C'est-à-dire qu'il va héberger 100-110 tonnes d'eau dans un sol saturé, une porosité pleine à 64%, ce qui lui fait une réserve utile à 111 mm. Voilà. Le sol travaillé de la parcelle. Et puis on va dans la bordure, celle qui n'a jamais été travaillée, celle qui est toujours couverte avec du chien de dent par exemple. Et puis on fait la même analyse de sol. Donc. La densité, la porosité, la quantité d'eau et la quantité d'eau dans la porosité. Et donc là, on a 67% d'eau dans la porosité et on a beaucoup plus d'eau dans le sol. Et on se rend compte qu'on a 1232 tonnes d'eau dans ce sol-là qui est saturé dans la porosité à 67%, ce qui fait une réserve utile à 123 mm. Ça veut dire que le champ est meilleur dans la bordure que je ne travaille pas. Alors on a fait ça pour plein de parcelles. Ici c'est un blé, le numéro 3. Eh ben, on fait le même travail sur une analyse propriété physique du sol, quantité d'eau, densité, porosité, quantité d'eau dans la porosité, réserve utile, calculée, 106 mm. Et ici j'ai 787 tonnes d'eau dans ce sol-là. Je suis saturé à 40%. J'ai ma réserve utile actuelle avec cette quantité d'eau à 78 mm. C'est-à-dire que j'ai moins d'eau dans ce sol-là que dans ce sol-là. Par contre, si je le remplis d'eau, ce sol-là, je mets 1220 tonnes d'eau dans ce sol. D'accord Saturé à 62%, c'est-à-dire aussi plein que celui-là. Et là, tu te rends compte que ben, tu es passé de 106 mm. Eh bien, à 122 mm, plus 22 mm dans la réserve utile. Et vous n'êtes pas plein. Vous pouvez encore mettre de l'eau. Donc on se rend compte que le sol non perturbé, c'est une véritable réserve hydrique et qui a des capacités de rétention supérieures au sol travaillé. Alors on a fait ça pour un blé encore, on retrouve les mêmes chiffres. On a fait ça pour un autre blé. Alors là... Voilà, on a 27% d'eau saturée dans la porosité, donc c'est un sol qui est plutôt sec. Mais ici, on est saturé à 64% dans le sol travaillé. On a 99 mm dans ce sol-là, on n'en a plus que 71. Par contre, si je remplis le réservoir de ce sol-là, à la même saturation ici, 64%, je mets 1700 tonnes d'eau contre à peine 1000 ici. Donc, la, le sol de la bordure, toujours, toujours, toujours meilleur. Et Donc, on l'a pour le maïs, allez hop, on a tout passé en revue, un tournesol aussi, etc. On a vérifié ça partout et donc on s'est rendu compte que la porosité d'un sol, vous avez la, la quantité de porosité capable de stocker de l'eau dans ce sol. Voilà, alors c'est des échantillons uniques, ce n'est pas de la statistique, on fait une espèce de pourcentage, voilà, on les met, les différentes parcelles. Et donc ça c'est les bordures et ça c'est la porosité du sol travaillé. Ça veut dire que dans le sol travaillé, je perds ma porosité, c'est-à-dire je passe de 50 à 43 ou alors de 45 à à peine 35. Plus je travaille le sol, plus je perds la porosité, plus je perds la capacité à stocker de l'eau. Et puis on avait de la vigne, donc vigne pas terrible. Et ici, vous avez le repère de la prairie. Et ici, vous avez la forêt. Porosité d'un sol de forêt, 60%. Ça veut dire que sa capacité à stocker de l'eau est complètement phénoménale. On a fait pour... La quantité d'eau dans cette porosité, et on se rend compte que dans le centre de la parcelle, la porosité est pleine d'eau à hauteur de à peu près 60-65 et certains sols sont plus saturés que d'autres. Et en même temps, dans les bordures, ben j'ai très peu d'eau dans le sol, c'est-à-dire je peux en stocker beaucoup plus, voyez. Donc je suis beaucoup plus bas. Alors c'est l'aléatoire des échantillons uniques, hein. mais on se rend compte que globalement, dans la bordure, eh bien, je suis loin d'être à saturation de stockage. Et ça, c'est une bonne info, parce que quand il pleut, ça se met d'abord dans le sol avant de lessiver. Donc je retarde le lessivage. Donc moins de nitrates dans l'eau demain. Et puis la matière organique, alors là, c'est. On a posé la question aux paysans quel champ vous achetez eh bien, Ils voulaient tous acheter ces champs-là, c'est-à-dire la bordure. Sauf qu'il n'y en a pas beaucoup à vendre. Et donc on se rend compte que la matière organique des sols non travaillés, ben, si je suis à demi, je suis à et demi. C'est plus 1% à chaque fois, et euh, ou 1,5%. Et demi certains sols, il y a de gros écarts. Alors là, pareil, il faudrait faire de la statistique et répéter pour lisser un petit peu les échantillons. Mais globalement, on se rend compte que les sols non travaillés, eh bien, ils ont des capacités à stocker de l'eau, des capacités à stocker du carbone bien supérieures aux sols travaillés. Donc pareil pour la CEC, je ne travaille pas le sol, j'ai plus d'humus, j'ai plus d'eau, j'ai plus de CEC. Voilà. Et donc on se rend compte que l'agriculture qui va gagner en compétitivité environnementale et économique, c'est une qui couvre le sol. On va améliorer la matière organique, le stockage de carbone, on va supprimer la production de protoxyde d'azote parce que justement ces sols-là n'en produisent plus, sauf peut-être dans les phases de transition, mais ça c'est de la bagatelle. Et finalement, on n'aura plus d'érosion et on améliorera la quantité de l'eau et on maîtrisera l'énergie, les intrants. L'azote viendra des légumineuses dans des sols que vous devrez couvrir à 100%. Et si vous ajoutez les arbres, eh vous avez un étage carbone supplémentaire. Et donc, c'était la conclusion. C'est-à-dire que. Si vous voulez aller dans une agriculture performante, dans une situation de changement climatique, vous n'avez pas d'autre solution que d'augmenter le taux de matière organique des sols. C'est la clé de voûte de votre système agricole. Je vous remercie.